Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou? Ça va très très bien et toi? Ça va très très bien aujourd'hui, petite vidéo qui régale. On va parler de choses que tu connais bien. On va parler Ouais. d'agressivité. Parce qu'il faut savoir que Val était hooligan dans une vie antérieure. Et il en a fracassé des types. Alors vraiment, Oh, il y a 5-6 ans quand c'était encore légal. il a cassé du nez quoi, je vous le dis. Ça se voit à sa tête. Hein, moi quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit ok lui il est juste méchant. Et en fait il était pas juste méchant, il était aussi très bon magicien. Mais là aujourd'hui, c'est pas la méchanceté qui nous intéresse, c'est le côté très bon magicien. Parce J'en qu'il y a eu quand remercie. Quelle même. introduction. Je suis ton guest aujourd'hui. Ah, oh, tu es mon guest aujourd'hui. Parce que tu as quand même fait une petite perf, hein. On est monté 13e du ladder jusqu'à se faire casser la gueule, juste au retour du Oh. bâton. Ah bah 13e, les 12 premiers, ils ont dit c'est qui ce Gus là? Pourquoi il est là lui? T'es rentré dans le club des 13 par la petite porte, ils ont dit non, pas toi. Et Un t'es petit peu. redescendu. C'était vraiment, j'avais l'impression de m'incruster dans des sphères qui ne sont pas à ma portée. Ah ouais, ah bah t'étais à une table de gens qui ont pas les mêmes moyens que toi et ils ont commandé une bouteille de champagne et t'as fait oh non non c'est bon j'en veux pas. Voilà. Je J'en veux un petit prendrai pas. coca, un dark side, s'il vous plaît. Bah t'as pas soif? Un cacolac, s'il vous plaît. Bref, introduction un petit peu en fanfare aujourd'hui pour vous parler de Winota. Winota Naya, quelle belle decklist. Ouais. Que vous avez beaucoup vu sur les streams de Val, si vous êtes venu récemment. Et que vous avez Ouais, pas je vous vu sur ferai les le streams de Val si vous n'êtes pas storytelling. venu. De quoi? Je vous ferai le storytelling de la liste après avoir parlé de notre partenaire Play-in by Magic Bazaar. Oh, incroyable, est-ce que tu veux le faire? Non, parce que je le maîtrise beaucoup moins bien que toi. Allez, écoutez, déjà on remercie Play in My Magic Bazaar, le sponsor, merci énormément à eux. Comme d'habitude, le petit code VALEPL 2020 sur leur boutique, le lien est dans la description, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Est-ce qu'il y a besoin de rappeler ce que c'est que le système de fidélité? Vous connaissez, ça s'est affiché à l'écran, ça régale. Merci à tous ceux qui l'ont utilisé et qui l'utiliseront, ça nous soutient à fond les ballons, hein, vraiment, merci beaucoup. Et code Merci créateur énormément. Magic Arena FR sur Boutique Epic Game Store également. Alors cette decklist Merci. Val. Alors, après avoir Alors, bien introduit, je te laisse mettre le beurre au fond du plat. Et ensuite on enfourne. cette petite decklist, je vais un petit peu storyteller d'où elle vient et ce qui s'est passé. En gros, j'étais sur un stream de Thierry, donc El Grand Boa, et je vois Noam qui est dans le chat et qui dit, donc Noam qui est un joueur compétitif français, qui a notamment gagné le dernier Red Bull et qui était un ancien joueur de Pro Tour à l'époque où Magic Papier existait encore. Il était dans le chat de Thierry et il dit, ouais, là je suis à 8-0 avec une decklist Winota. Je pense que c'est de la merde, mais je fais que gagner avec. Moi, ça Nice. m'interpelle. Moi aussi, je suis dans le chat. Je me dis, oula, de quoi il parle, Noam? Il y a Keta, ça me titille. Je dis, comment ça, il a 8Z avec Winota, là? Qu'est-ce que c'est? Et puis, tu vois, je passe. J'étais pas en train de commenter dans le chat. Je dis, bon, je garde juste l'info et tout. Je stream vendredi matin dans la matinale. Il y a Noam qui est sur mon chat. Je lui dis, pop, pop, tant que t'es là, là. C'est Vos quoi ta papiers, s'il liste vous Winota, plaît. là? Parle-moi. Aiguille-moi. De quoi tu parlais? Il m'envoie la liste, donc c'est une decklist Winota avec Umori en compagnon qui joue que des créatures. Donc j'importe la liste sur le stream, je demande aux viewers s'ils veulent qu'on joue ça, on commence à jouer ça, je suis en diamant et je commence à rosser quoi. Et je commence vraiment à rosser, on Comme à ton commence habitude. limite. Comment? Comme à ton habitude ou plus? Un Un peu peu plus qu'à mon plus. habitude. Donc on commence à bien monter, et limite on est quasi passé mythique sur le stream, genre un truc comme 5-0 ou quoi. Et putain, c'est bien Winota, on quitte le stream et compagnie. Et puis là, bah, du coup, je force pour essayer de passer mythique et je commence un petit peu à galérer au final. Et du coup, j'ai modifié la decklist, j'ai enlevé Umori qui était le compagnon qui nous impose de jouer que des créatures et j'ai rentré des cartes pour m'adapter au format au méta, notamment la garde Akros, les Viviennes partisanes, bon, les Viviennes, pardon, et les flétrissures pour un petit peu adapter, rentrer des grands Chromelec main deck et avoir un plan de jeu un petit peu moins créatureux, un petit peu plus adapté à ce qui se passe dans le format. Et là, j'ai commencé à rosser, passer mythique, très très bonne win streak, et j'ai réussi justement à me hisser, comme tu le disais, au rang 13 du ladder mythique. Pas mal. Et c'est assez fantastique. Mais à la base, voilà, pour ceux qui ne sauraient pas, la liste, elle vient de Noam, qui lui-même la tiendrait de Guillaume Matignon. J'ai enquêté sur la paternité du deck. Ok. Ouais, donc si on remonte la piste, peut-être qu'on retourne aux origines de l'homme même. Ouais, et j'ai appris récemment que cette decklist-là, il y a 2-3 semaines, elle avait déjà été testée. Alors, pas ma version, hein, les anciennes versions avaient été testées d'ailleurs dans le Discord Pro avec J-Rock et compagnie, qui avait testé ça notamment pour les week-ends split MPL et compagnie, Ok. et qu'il avait un petit peu mis de côté de par son instabilité. Et ils ont bien raison. Mais nous, on est là pour du fun et pour de l'exotisme, et ça, Winota, ça le fait très bien. Oh, ça en promet. Et c'est vrai que j'allais dire par rapport au test des pros, Winota c'est quand même une carte. Dès qu'il y a un changement dans la méta, dans le standard et tout, tu te dis, il faut quand même la tester parce que c'est une carte qui a un potentiel énorme. Complètement. Et c'est un peu ce qu'on recherche dans un standard fer comme il est actuellement.
C'est une carte qui peut te donner des petits avantages, des fois certaines parties un petit peu auto-win, où tu vas juste faire bet, 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 winota. Et s'il n'y a pas Vras en face, et encore des fois ça ne suffit pas, le mec est juste mort. Donc je pense que c'est un peu C'est le. ça. Un peu comme avec peut-être Réclamation avant, genre où on est Réclamation, là c'est où on est Winota, c'est jouable, c'est pas jouable, qu'est-ce qu'on en fait? Ok, bon, si c'est jouable, tant mieux, si c'est pas jouable, on passe à autre chose. Là, le problème, c'est tout à fait jouable, mais ce qui fait que ce deck-là remplacera pas forcément Gruul, en gros, ça fait des choses plus puissantes, des choses un peu plus débiles que Gruul, mais Puissance. c'est moins stable. Tu n'es pas capable de lisser la variance comme la lisserait Gruul, parce que tu joues tricolore, donc trois couleurs, et du coup, tu n'as pas le droit de jouer autant de dual face card. T'as pas le droit de jouer des mammouths du Kazandu et t'as Les pas le droit de mammouths. jouer 4 impacts fracasse crâne. Et là où les decklists Gruul ont 20 terrains et 28 si tu comptes leur dual face card, ce qui leur permet de faire ni death ni full, bah dans ce deck-là, tu es un petit peu soumis à la variance de piocher trop de terrains ou pas assez. Ou alors d'avoir un problème de couleur parce qu'en plus de ça, tu es en tricolore. C'est ça Ouais. vraiment le problème de ce deck-là. Mais s'il n'y avait pas de problème de variance, si on arrivait à lisser la variance comme sur les decks Gruul, il faut absolument jouer Winota, c'est juste meilleur quand tout se passe bien. Du coup, tu dirais que le défaut de ce deck, c'est qu'on doit jouer à Magic de façon classique. Mais gros, c'est exactement ça et c'est exactement l'objet de la discussion que j'ai eue en MP justement avec Noam. Alors, tu feras gaffe, tu as un capteur cardiaque sur le doigt. Oui, c'est vrai, mais je prends mon pouls en ce moment. Non, T'as trop. raison. Est-ce que Donc tu peux voilà, nous si vous voulez parler? vous amuser, Vas-y. vous voulez avoir une alternative sympa à Gruul, bah Winota c'est cool, mais un peu plus instable. Yep. Parle-moi un petit peu de ce side que je ne saurais voir. Le side O. Alors, le side, en gros, on rentre les tueurs de géants pour s'adapter notamment dans les match-up Gruul, pour pouvoir tuer les bêtes de quête, les mammouths qui seraient buffés, toutes les créatures un petit peu puissantes, et c'est une interaction instantanée, et on sait que ça marche très très bien contre Gruul. Ah mais d'ailleurs, tu as un sideboard guide sur ce deck. J'ai un sideboard guide que je vous présenterai dans le point méta-out de demain. Incroyable. Bon, du coup, on en parle rapido pour expliquer ce que ça fait, mais. Ouais, bien sûr, là je vous le fais très rapidement. Donc voilà, vous rentrez les tueurs de géants contre Gruul, vous allez rentrer aussi les gardes Akros et les flétrissures. Gardes Akros parce que c'est la meilleure carte du format après side contre les jeux créatures. Les flétrissures pour respecter Umbercleave et Greytenge. Et vous allez décider vos sauveurs dévoués parce qu'ils sont pas très très bons contre ces match-up-là. C'est une créature vraiment qui sert qu'à proc Winota ou à vous défendre des interactions noires, entre guillemets, ce qui n'est pas le cas de Gruul. Vous allez sortir aussi un petit Grand Cromlech et un petit Kenrith pour baisser votre curve contre les decks Gruul. Les limons nécrophages, c'est pour les decks Rogue et pour les decks Rakdos. Qui vont essayer bah, du coup de jouer avec ou votre cimetière ou le leur. Les gardes accros sont là pour les match-up créatures. Vous pouvez aussi le rentrer dans les match-up Temurramp pour voler les terreurs d'épique. Si c'est une version terreur d'épique, faites bien attention. Le buffle de l'Agonas, évidemment, c'est contre les match-up rogue qui vont essayer bah, du coup de vous meuler. Et aussi contre Doomfortall pour essayer de générer un petit peu de la value en late game, Oh qui la est un value. match-up assez compliqué. Les Viviennes Partisanes, bah c'est dans tous les match-ups où on veut enlever le Greytenge et pour remplacer le Greytenge par un autre outil de value, notamment dans les match-ups Doomfortall où Greytenge va prendre une Elspeth Conquerdess sans avoir fait de la value, où la Vivienne elle va au moins laisser un token sur le board, donc c'est plutôt une bonne carte. Et en plus, c'est la meilleure carte que vous pouvez résoudre contre Rogue. Et le passage merveilleux, on le rentre quand on rentre des Viviennes pour essayer du coup d'augmenter notre nombre de landes et être sûr d'aligner 5 terrains. Merveilleux. Franchement, On part Vivienne, tester ça? on part tester ça, ouais. Je sais pas si c'est parce qu'il y a un monstre rigolo à côté d'elle ou parce que juste j'adore les Planeswalker Vivienne en général, mais je suis très content que cette carte soit jouable. Il manquerait plus qu'on puisse jouer Garouk, et là vraiment je suis le plus heureux des hommes en standard. Ouais, cette Vivienne, elle est vraiment cool. Et cette liste-là, en fait, qui jouait Umori à la base, c'était smart de jouer Umori parce que t'avais que des créatures. Mais se passer après side de Vivienne, garde Akros et compagnie, c'était vraiment très coûteux, je trouve. Effectivement. On est parti sur un traditionnel classement? Vas-y, vas-y, donne tout. Allez, let's go! Ah oui, parce que depuis, on a un petit peu perdu des games, donc on n'est plus rang 13. Donc on peut y aller, quoi. D'ailleurs, pour passer rang 13 à rang 245, je crois, là, t'as perdu combien de games? Est-ce que tu sais? Ouais, j'ai fait de rang 13, j'ai perdu une game, je suis repassé rang 18, en ne jouant pas pendant un jour et demi parce que je travaillais, je suis passé 34, et de 34 à 214, j'ai fait 4-6. 4 victoires, 6 défaites, donc en vrai c'est ça t'a coûté que 2 défaites techniquement. Ouais, mais ça marche pas comme ça en fait, quand t'es en Ouais. mythique, quand tu fais 50%, tu perds quand même du rang. Ouais. Ouais, parce que en fait c'est tous les autres qui font pas 50% qui te passent devant. C'est ça, En gros, exactement. s'il En dit fait, quand tu joues pas, tu décales quand même. si tu fais 50% en mythique, logiquement tu devrais arriver vers les milieux de classement mythique. Donc ça dépend combien il y a de joueurs en mythique, mais tu vas te décaler petit à petit, tu vois.
C'est un peu compliqué de comprendre l'algo mythique, mais en gros, quand tu joues pas, tu perds du rang, et quand tu fais une victoire, une défaite, tu perds du rang. Donc en fait, tu es obligé de faire des streaks, genre pour passer rang 13, j'avais fait genre 6 ou 7-0 d'affilée, Ouais. en partant de 300, parce que sinon c'est trop compliqué. Alors cette main-là, elle est bien, le problème c'est qu'il faut trouver un troisième mana, quoi. Mais comme tu es sur la draw, moi je On est trouve que sur la c'est acceptable. draw et en plus on fait Winota tour 3 si on a un land. Ouais, moi je trouve ça acceptable et je ferai fetch forêt tour 1. Bien sûr. On l'a Enfin, j'ai dit, hein, trouvé c'est un un jeu mana un peu burn. instable, il faut prendre en compte cette instabilité. Et hop, je vais fetcher maintenant. Tranquillou. Ça nous permet après tout de discuter, hein, sinon évidemment en faites pas ça à la maison, ça réalisé par des professionnels. J'attire votre attention sur ce sleeve. Ceux qui ont des petits sous et qui veulent soutenir une bonne cause, vous pouvez acheter ce sleeve dans la boutique, ça soutient. Et il est encore achetable ou pas? Et je crois qu'il est encore achetable, il me semble. C'était 3,99 et ça permet de. Ça va à une fondation qui a été créée par Wizard qui soutient les enfants dans les hôpitaux. Exact. Là, il faut plutôt du blanc, non? Moi, je mettrais Ou plutôt du du rouge? rouge parce que t'as un géant Krakos. On joue contre un deck Temur, un deck mono vert foot qui est un match-up un peu compliqué. Vas-y, mets du rouge, hein. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Cela dit, on peut pas prendre Méchant Loup, qui est sa seule interaction contre Cobra. Donc, si on trouve notre troisième land, on devrait pouvoir proc Winota. Et ça fait plaisir. Ouais, mais c'est un match-up très compliqué, Mono Vert Food, qui est un excellent nouveau deck du format. Est-ce qu'on Parfait. joue Winota là du coup? Bah, le problème, je t'explique, c'est que là, si Vas-y, on joue dis-moi tout. Winota, on va suicider notre Cobra Lotus dans Mammouth du Kazandu. Ça, c'est obligatoire. Ouais. Par contre, si jamais on attend un tour de plus pour Winota et qu'on décide de jouer une bête frappée d'amour pour avoir deux procs, on a probablement un méchant loup qui va venir manger notre Cobra et qui nous assure pas du tout Winota le tour d'après, du coup. Ok, parce que là je peux faire aussi Cobra, Land, double mana vert, double token. Ouais, mais ça nous assure quand même pas de Winota le tour d'après. Non, mais en fait sur... Moi j'irai proc maintenant avec Winota et si tu trouves un chevalier de Bastry, eh ben tu peux buffer ton Cobra et si tu trouves un Kenrith, c'est bingo. Allez, on tente. C'est un peu la roulette, hein, vous avez compris. La roulette! Bon, on va prendre un tavernier. Il va pouvoir manger notre Cobra tranquillou bilou, mais nous on va commencer à piocher des cartes avec notre tavernier Yep. et on va dire que c'est acceptable. Puis on a mis une 4-4 tour 3 aussi. Ouais, un peu dommage quand même de ne pas avoir trouvé un lieutenant de batterie ici. Hein. Ça aurait été vraiment la meilleure trouvaille. Là, Land méchant loup, on n'est pas content. Ouf, Ouais. il l'a pas. Plutôt une bonne nouvelle. Il ne peut pas nous Gretenge non plus ce tour-ci. Très très bon deck, Mono Vert Food. Très 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 bon deck. C'est celui qui a eu, c'est le deck qui a eu le meilleur win rate sur les splits MPL du week-end passé. Ah ouais? Ah, nice. Après, il Ouais, peut ouais. représenter, je suppose. Bah, il était joué quand même par 5-6 personnes et il a fait 65% de win rate, Ah donc il a ouais, vraiment en tout MPL éclaté. Hein. ou en prenant en Ouais, compte la en Rivals League? MPL et Rivals. Ok. Très très puissant. Tu vas être obligé, je crois, de Géant Krakos en créature pour avancer et essayer de trouver un land en fait. Allons-y. Et lui dire en plus, bah, je peux proquer le tour d'après ma Winota. Ok. Pas ouf. 5 puntos. On a quand même beaucoup de cartes en main. Là, vu qu'il n'a pas Embercleave pour nous surprendre, Ouais, ça mais devrait le faire. le problème de ce deck-là, c'est qu'il joue des Kogla, des géants que tu n'arriveras jamais à gérer parce qu'en fait, il les sacrifie en réponse à un anti-bet et après, il les rejoue avec ses foods. Et avec ses foods, il fait de la value sur piste de miettes. Il est ingrindable ce deck-là. Ouais, c'est dur. Si tu vas en late game, c'est perdu. Alors là, sur un land, on pourra rejouer Winota, avoir un proc. Ouais. C'est d'ailleurs ce genre de deck que j'ai le plus rencontré quand j'étais top mythique. J'ai notamment joué 3 fois contre le même joueur qui jouait 3 fois ça. Et c'était toujours très très tendu quoi. J'ai gagné une game au timer contre ce deck-là pour vous dire. Genre quand tu gagnes une game au timer, c'est-à-dire que t'as fait 1 heure de game, hein, parce que moi il me restait 1 minute au timer. C'est chaud. Ah, du mal à blanc. Ouais, et là tu vas jouer du blanc du coup. Et je pense qu'on va proc Winota. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Mes 5 Ouais, points. c'est bien. C'est bien, et il a pas le 5e et le 6e mana. Enfin, surtout pas le 6e mana pour Kogla et pour le troll.
Allez, un bon proc. Bon, on n'a pas les meilleurs procs de la planète, hein. Tant pis. Après, des fois, tu trouves juste rien aussi, et ça, c'est vraiment scandaleux. Yep. Ok, tant qu'il a pas 6 mana, je suis pas trop inquiet. Je commence à être inquiet. Est-ce que t'es inquiet? Pas trop. Ouais, ça, je te dis, ça commence à puer un peu, hein. Ah, je me dis que notre prochain tour va être crucial. Ouais. Ça, on va les prendre, les 5 points. On s'en bat un peu les steaks, hein, très Alors là, il honnêtement. bloque les deux, il nous tue deux bêtes, on lui met deux, c'est de la merde. Ouais, il faut pas attaquer avec les taverniers, mais tu vas pouvoir proc en attaquant avec le géant. Aïe, aïe, Dommage. aïe, aïe, aïe. Tu peux juste jouer une. Alors, tu peux décider de jouer le cobra et de garder Géant Krakos up et d'attaquer quand même avec les taverniers pour essayer de manger le limon, on sait jamais s'il bloque mal. Ouais. Bah là en fait il va se prémunir d'un létal potentiel donc il va plutôt bloquer ça là. On est sûr? Bah en fait il va faire méchant loup sur Winota, sacrifier un food. Ça c'est Dans ce sûr. cas-là, est-ce qu'il faut pas juste full attaque et on voit ce qui se passe après? On peut hein, suivant le proc, suivant ce qu'on a. De toute Ouais, parce façon que là on s'il est dans passe la à 2, mouise. tu finis avec géant. Je pense qu'il faut full attaque. Avec En ses fait, t'as food, raison. Chrome Lake et tout, c'est pas facile. Ouais. Ok, super. Lieutenant, c'est nice. Et on a un marqueur. Alors sur Winota, il peut la trade quand même. Ouais, moi je mettrais plus sur le lieutenant lui. Alors si tu le mets sur Winota, par contre, tu auras un rip-op s'il décide de la trade. Mais si Ouais. jamais tu veux diviser tes points de dégâts, tu peux le mettre sur Basri Ah, lieutenant. je crois qu'avoir un repop pour ne pas mourir trop prochain, c'est pas mal, hein. Ok, vas-y. Basri, il est déjà indestructible, donc Ouais, c'est vrai, ça. c'était vraiment pour passer les points quoi, si on mettait sur le temps de Basri. Ouais, mais tu vois, s'il voulait être un petit peu genre en mode ok, je passe à 1 et je stabilise le tour d'après, on le punissait sur Jean Krakos, c'était un peu l'idée aussi. Là, est-ce qu'il va grid avec le limon ou pas? Je pense pas. Non, il grid pas. Il grid pas, on lui met 5. Ok. C'est chaud. C'est, ma foi, assez chaud, ouais. Et donc là, je pense qu'il va falloir Géant Krakos et token de bête frappée d'amour pour pouvoir défendre ce board-là. Oui, exact, ouais. Et surtout lui proposer de le tuer le tour d'après, quoi. Si jamais il décide d'attaquer. Alors, je vais Géant Krakos d'abord parce que je draw 2. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que là, on est soumis. S'il pioche une créature, ça va être très très compliqué. S'il en pioche une, ça va. S'il en pioche beaucoup, c'est chiant. Oh Et après, il putain, a que ça 5 c'est mana. super beau. Là, tu vas jouer Cobra de Lotus plutôt à la place, hein. Vu qu'on a trouvé une Winota. Il a dû chercher du vert là. Ouais, pour Chrome Lake, effectivement. J'ai comme les communs. Putain, dès la première game, c'est Tandax, hein. Ah, j'aime bien les games comme ça. Tu vois, ça c'est S'il vite. pioche. S'il pioche un land, il a perdu, instant. C'est Ça me vite ferait rêver. casser la gueule. Il passe à 7 avec Il pioche Chrome un land. Lake. Oh, il pioche Ah double bête. putain. Ah, il pioche Mais la ça lui meilleure carte qui consomme peut tout son piocher dans mana. ce spot. Non, parce que. Ah non, Parce qu'il putain, a il en reste un 3, je Chrome crois. Lake. J'oublie toujours Chrome Lake fait 2 mana. Quand je le joue pas. Ouais. Enfin, quand je Après, l'ai on a pas sur le triple board. proc là. Hein. Après, il est juste fantastiquement talentueux. Ouais, on a 3 procs sur Winota. Il a 5 bloqueurs pour. 3, pour 6 attaquants. Peut-être plus avec Winota. Oula, il fait une bêtise. Oui, Bellic, celui-ci. Ah, si fait ça, il est puni. On le tue, je pense. S'il fait ça, tu donnes le 2-2 et on le déchire derrière. De 2 ou de Ouais, en fait. 1? Ça revient au même, je pense, et tu pourras avoir besoin du mana du cobra. Waouh, fais attention, on est mort. On est mort. Quoi? Eh ben, il pouvait sacrifier deux de ses créatures et grossir son méchant loup pour nous tuer. Ah putain, ouais. Bah, il a pas vu non Il plus. a...
Oh la chatte. Ouais, j'avoue. Alors attends. Est-ce qu'on le tue là? Est-ce que c'est le meilleur plan? Bah, il a 3 bloqueurs, on a pour l'instant 5 attaquants, donc il y a 2 points qui passent minimum, et on va avoir 2 procs de Minota. Allez, vas-y, faut all-in là. T'as raison. Je. Vu qu'il pouvait nous tuer déjà et qu'il a pas vu. Ouais. Sachant qu'on aura 2 bloqueurs potentiels. 3 bloqueurs, pardon. J'y vais, hein. Ouais, tu vas, ouais. Allez, là. Faut proc correctement maintenant. Voilà. Ça proc correctement. Ah, c'est Ah bah parfait. super. Et on va mettre un Et si on marqueur veut pas sur mettre tous quoi? les deux dans le même panier, on grossit un tavernier, c'est ça l'idée? Tavernier, ça passe plus de points, ouais, je pense. Vas-y, un point, on en est de toute façon. Si jamais il survit, on est mort, donc. Mais si mes calculs sont bons, il survit pas. Et il bloque là. Il bloque là. Il bloque là. Il prend 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, normalement, il est mort. Wow, Ah, elle c'est commence fou! déjà chaude celle-là. Oh, Bon, la en chatte. vrai, on doit quand même la gagner parce que sur le tour d'avant, il suffit juste de bloquer le loup. Hein. C'est Ouais, il pas faut en juste mode il a bloquer du l'autre. mental. En fait, c'est un peu con, mais j'ai regardé en bas à gauche, voir s'il n'y avait pas de trucs que je loupais, genre piète ou quoi. Et je me suis dit, bon, bah, il n'y a rien, je bloque ça. Je l'ai pas vu au début, moi non plus, hein, je t'avoue. Hein. Je l'ai Et vu en au moment fait, du méchant bloc. loup. En plus, on était full tap, donc. Pouvait Ah ben, on rien. était mort. Hein. S'il voyait la ligne, c'était foutu. Genre, il a. En fait, il a attaqué pour provoquer le misplay. Il a vu qu'on n'est pas tombé dedans, il s'est dit non. Enfin, qu'on était tombé dedans plutôt. Il s'est dit non, c'est trop cramé. Yes! Bon, comme quoi, il faut un peu de chance avec ce deck. Ouais. Alors contre mono vers foot, tu side un petit peu comme contre Grull, pardon, tu rentres des tueurs de géants et des gardes à crosse. Hein. Paf, 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 paf. Je mets 3 Vivien, voilà. Ouais. Non, on veut pas de Vivienne, tu veux enlever tous les sauveurs dévoués. Et Et le c'est tout. problème, c'est qu'on aime bien avoir les flétrissures sur la draw. Donc je mettrais bien une flétrissure contre une garde à crosse en moins. Ok. Et sur le play, on inversera, on remettra une. Là, on est sur le. Ah non, on est sur la droite, t'as raison. C'est parti comme ça? Ouais. C'est une table de set que j'ai pas notifiée, mais ça me paraît ok d'être comme ça. Bah, le deck est assez récent. Enfin, il est pas récent, Mono Green Mono vers Food, foot. mais il a perfait récemment. Donc, C'est ça. C'est vraiment très méchant. Hein. Quand il y a four, Trail of Crumb, troll festoyant, c'est une synergie que tu peux pas battre. Je voyais J-Rock jouer contre. C'était qui? C'était peut-être Kenyu Kuhiro qui jouait ça en face de lui. Et en mode, il avait plein d'anti-bêtes, Extinction Event. Et en fait, Ken, il faisait juste en mode ok, je sacrifie mon troll. Je rejoue mon troll. Je vais piocher trois cartes avec ma piste de miettes. C'était insupportable. Insane, hein. Quand tu me dis ça comme Ah ouais. ça, je me dis personne peut battre ça en vrai avec des gentilles bêtes gentilles quoi. Non, c'était un peu compliqué quoi. Bah, nous faut qu'on le bourre avant qu'il se mette en place. Hein. Ouais. Bah ça résume bien Magic ça. Bah, ça résume bien certains decks de Magic. Ouais, c'est sûr que Yorion Control, il se dit pas, ouais, faut que je le bourre avant qu'il se mette en place. Toi, typiquement, avec ça, on bourre pas grand-chose, mais la main est pas dégueulasse. Hein. Sur le draw, on va pouvoir gérer une oie d'or. On a un tour 2, un tour 3, un tour 4. Franchement, c'est acceptable, moi je trouve. Hein. Ouais, vas-y, on la garde. Moi, Ouais, je j'avais pense que c'est pas dégagé mal. un, mais. Là, tu peux fetcher passage merveilleux dans une forêt. Dans Au une tour 1. plaine plutôt, non? Non, forêt. Non, non. Ouais, dans une forêt, je pense. Du coup, maintenant, t'as peut-être pas envie, en fait. Bon, c'est pas grave. Ah! Ouais, ça revient en même. Vas-y, tu peux fetcher une forêt. En vrai, je peux faire blanc et rouge, donc si, c'est bon. Ouais. Non, mais c'est parce que des fois, il faut garder tes fetches, ça peut avoir un intérêt plus tard, notamment si t'as des viviennes, mais là, on n'a pas rentré de vivienne. Une petite toit d'or, poteau? Ah non, bah, Florédron, pareil, même combat. Hein. Ça va prendre sa bolt. Ça va mourir aussi, ouais. Yes. Écoute, on Allez, a une zou. sortie curvée. Ça peut ne pas suffire, mais. Bah, c'est vrai que là, on subit un peu. C'est lui qui est sur le play.
C'est à lui de nous faire subir. Avec toutes ces forêts dépareillées là qui me gênent un peu. C'est vrai que c'est horrible quand les gens font ça. La petite plaine avec le, ce passage de bord des pics. Ah ouais, on garde pas Jean Krakos up là. Non, je pense que tu veux toi-même Jean Krakos et tu pourras le buffer avec le temps de basserie pour trade dans ta bête frappée d'amour. Et en plus, okay. Si t'attaques et que tu tapes deck Winota en proc. C'est bien vu ça. Vas-y, vas-y. T'as un s'il a méchant loup, on est mal, mais en vrai, il perd son méchant loup dans le trade, donc ça va. Ouais, il a pas tout. Florédron qui est une 1-1 en plus. Florédron qui proc, effectivement, sur la bête frappée d'amour, t'as raison. Petite synergie. C'est pas mal ça. Ah bah il fait la boulette là. Enfin, je sais pas si c'est une boulette, mais typiquement, on n'est pas trop déçu quoi. Ça lui coûte plus cher que ça ne nous coûte. Ah, entre eux, Winota. Oui, on a plus proc, putain, dommage. Là, je vais mana rouge, lieutenant de batterie. Mana vert, pardon, lieutenant de batterie. Alors si on fait lieutenant de basserie, on bloque et du coup on a un 2-2 rip-hop qui nous permet de trigger Winota. Je crois que c'est ok, ouais. Sinon je peux juste tuer ça pour pas prendre 2 points, mais... Non, mais dans tous les cas tu prends pas de points avec ce spot là si jamais tu lieutenant de basserie. Ouais, si j'ai une 4-5 et je peux pas bloquer. Enfin je peux bloquer mais je lui donne quoi. Bah ouais, mais tu lui donnes mais t'as un rip-hop qui trigger Winota derrière. Ah oui, ouais. Vas-y, mana rouge du coup ou vert? Mana vert, je pense. Ouais. Mana vert, ouais. Et ça se fait pas trade par le loup, hein. Non, ça se fait pas manger par le loup, donc c'est pas si mal. Il va peut-être un jour avoir son grand cromlech, ça va commencer à être problématique, mais... Bonsoir. Okay. Salut, salut. Ça proc bien Winota, Vivienne. Ouais. Ouais, ouais. Et des fois, tu fais moins 2, Kenry, je vais chercher Winota. Ça marche bien. Je trade encore. Je réfléchis. Je crois qu'on n'a pas trop le choix ici, non? Je crois qu'on est obligé de chatter sur notre Winota ici. On peut essayer, ouais. Vas-y, hein. On est trop derrière de toute façon. Parce que si sur Winota tu trouves Kenry, ça va. Hein. Là tu fais une montagne pour être sûr de pouvoir lui donner la célérité si jamais tu... Le piétinement, pardon. Et si on fait Winota, qu'on attaque avec la 2-2 et qu'on trouve Kenry, je crois que ça suffit pour tuer cette méchante Vivienne. On y va? Ouais. C'est très all-in comme plan, mais allez. Quand t'es derrière... Sur Vivienne, parce qu'il faut que j'attaque Vivienne, non, pour... Ouais, ouais. Non, je suis pas obligé. Ah, mais il faut que t'attaques Vivienne, sinon tu tues pas la Vivienne. Oui, ouais. Kenry. Ah, yes. Super. Bah ouais, qu'importe où t'attaques, de toute façon il va la bloquer, donc on va juste se faire manger le board là. Non, il va peut-être pas la bloquer, parce que enfin, il peut faire bloquer à 2-2 et ça c'est indestructible. C'est vrai. Ouais, bah là on n'est pas frais du tout. Après, tu te prends Vivienne sur le play, il n'y a pas beaucoup de decks qui sont frais. Hein. Ouais, Vivienne dans Chrome Lake en plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Après, t'as quand même encore tueur de géant plus géant Krakos pour gérer... Ah mais non, on tue plus la gouze maintenant avec notre géant Krakos. Mais tu peux tuer la 1. Hein. Je peux tuer la 1, hein, et après j'ai déjà tué la bête frappée d'amour avec le tueur de géant. Donc, Non, en vrai, je peux juste tueur de géant et garder... Enfin, je peux petit bois, l'aventure de tueur de géant, et garder 2 mana pour engager. Ah non, merde, j'ai qu'un mana blanc. Si on top deck un land, on aura le droit de géant Krakos pour essayer de proc Winota un tour plus tard. Et je crois que ça sera peut-être trop tard d'ailleurs. Me paraît plutôt mal engagé celle-ci. Ouais, c'est bon. En plus, le mec il a tout, donc laisse tomber. Ouais, sur 13 cartes quand même, il avait tout là. Il gagnera plus jamais cette game. Ouais, par contre, tu fais une connerie là. Attends, okay, qu'est-ce qu'on loupe? Rien. On loupe rien là, okay. Non, on loupe rien du tout. Juste une bête en moins. Ouais, quoi? What? Pourquoi?
Pas compris. Ouais, je sais pas. Alors, est-ce que le plan, c'est pas tavernier, géant Krakos, tueur de géants, tout en créature? Ouais, ça bloque bien. Je peux attaquer déjà là, il doit faire des doubles blocs pour tuer Inota sinon. Ah, mais il la tue alors que toi, tu veux essayer de la proc Ouais, plus on tard. marque, ouais. Tavernier. Ouais. Tueur géant. Ouais. Et Jean Krakos. Bête frappée ou géant Krakos? S'il veut tuer ton tavernier, tu pourras pas attaquer. Oh, peut-être bête frappée, du coup, ça te permet de garder l'aventure de Jean Krakos. Ouais, directement 5-5. Je peux Ça te trade permet de la trade avec sienne. 5-5. C'est ça. Je lande. Ouais, je pense, ouais. Bah écoute, on n'est pas mort. On n'est pas mort, il a Vivien Cromlech, pisse de miettes. On a rien. Mais. Enfin, on a Mais on rien, n'est on a pas mort. Winota. Donc tant qu'il trouve pas de loup. Le problème c'est que avec sa Vivienne, s'il a un truc qui coûte 5 ou plus, bah, il trouve un loup. Mais va-t-il voir le play? Je pense qu'il va le voir, ouais. Tout à l'heure, Après, il l'a pas il vu. l'a pas vu. Peut-être C'est qu'il se dit, vrai. oh, ça fait quoi les loups déjà? Oh, je sais plus. Ok, il va chercher de la petite carte. Bon, selon le tour qu'il va nous faire, on va juste concéder. Ou alors, on s'en fout un peu. Il y a encore 6 mana. Hein. On va se prendre un Kogla sur le coin de la tête. Et un Kogla sur le coin de la tête, fait pas du bien. Ça fait mal, hein. Bah, le singe est C'est lourd. écrasant. Il est très très lourd, ce singe. Ouais. Je suis en pression là. Ah, ça joue ça, tiens. Bah, j'étais pas au courant que ça jouait coup de bélier. Nice. Bien joué. Bon, il vient juste de nous détruire en fait. Bah là, on l'a perdu la game, là, non? Ouais, on l'a perdu. Ouais. Après, un tour le board grâce à 7-5-5. Tu peux voir ce que tu pioches. Franchement, sait-on jamais. J'ai peut-être un Ugin dans la liste. Je crois que non. Mais en vrai, toutes les listes devraient jouer un Ugin. Tu vois, tu dis, il y a un moment, je vais faire une game longue, je vais le piocher, je vais le jouer, je vais gagner. Eh ben, Mono Vert Foot joue un Ugin en side, sache-le. Mais voilà, tu vois. Ce qui est quand même fantastique, je trouve. Il aime bien nous donner des créatures gratuites, là, comme ça? Je bloque 5-5 ou 3-3? 3-3, hein. Parce que je peux triple Puisqu'il bloquer la aime bien. 3-3. Hein. Non, non. Et il nous tue de bêtes. Ah non, juste on va bouffer sa 3-3 puisqu'il aime bien nous les donner. Moi je prends tout. Là, est-ce qu'on a l'étal sur Winota? Jamais. Jamais. Mais en jamais. Par contre, avec lieutenant de Basserie, tu peux faire passer ta bête 6-6, donc elle bloque. T'as ton lieutenant de Basserie qui bloque aussi la 3-3 parce qu'il est 3-4. Ça va, hein. Et j'ai deux manas pour engager un truc. Ouais, c'est ok. En vrai, on se bat encore. Vas-y, vas-y. Il est à combien à la cloque? Parce que c'est des games qui peuvent se jouer à la cloque. 17, on est 17 à et 20. Ok, bon, vas-y. Oh, je mets token sur Tavernier. Smart move. Et là, tu peux juste tavernier passe. Ou géant Krakos, pardon. Je dis ça, mais on Bah, peut je le peux jouer en créature. draw, mais je peux aussi juste infliger 2 à un truc, tu vois. Donc, et tour d'après, faire géant Krakos, draw 2. Ouais, t'as raison. Je pense que Donc c'est mieux. plutôt tavernier et on tue la 1 parce que de toute façon, tu tueras rien d'autre dans son deck vu qu'il a Cromlech maintenant. Si je peux tuer Liban. Ah bah non, Mais il y a non, du mana. pas avec Cromlech, tu peux pas de toute façon. Si, Et avec le les marqueur arrive Eh après. mais lui en réponse il va se buffer Mais quoi. avec le limon, ouais. Bah, du coup, je peux tuer les oies d'or par contre. Non plus, pas avec Cromlech. Ah, en réponse, tu veux dire? Oui, parce que le marqueur arrive après. Ouais, il arrive après, ouais. Ok. Je peux aussi Bon là on engager va un juste truc fin de tomber à tour. l'oie d'or, ce qui est quand même très très triste, je trouve. Hein. Ouais, Wador et Cromlech, hein.
mais c'est elles qui vont mettre les points, c'est ça qui m'énerve. Ah oui, pour ça, ouais. Bah, je peux en engager une, hein, si jamais on passe en phase d'attaque. Ouais, il n'a pas d'attaque intéressante ici, à part avec ses oies d'or en plus, c'est ça le pire. Ouais, on peut mourir en 3 tours au lieu de mourir en 2. Bah, c'est ok, hein. Je prends, moi. Je prends tous les edges. Bah, ouais. Ah, ça, c'est une cible à tuer. C'est vrai. On cache une oie, du coup. Ouais, c'était comme la fête. Awesome gameplay. Ouais. Ça se trouve, il l'avait pas vu, et quand on l'engage, il fait « Ah ouais, c'est vrai, je peux attaquer avec mes oies. » Est-ce qu'on doit sous-estimer Mat 44-13? C'est pas bon de sous-estimer l'adversaire. Ouais, je crois pas. Je crois qu'on va passer à la game 3 après notre pioche. Ouais, là, en plus, sur Winota, on a un seul proc. C'est pas grand-chose. C'est poubelle. Ah là, ouais. Allez hop, Poubellus. Attends, j'ai quand même droit 2. Bah, pioche pour voir, ouais, mais. Mais c'est la poubelle. Ah, c'est une chanson de Diam, ça. Ah, bah, il est là, lui. C'est pas mal, mais on bat pas la Vivienne, quoi, même si on bat le Cromlech. Tu veux te battre encore? Je crois pas, moi. On bat pas les oies, non, vas-y, laisse tomber. Ouais, en fait, là, il peut juste faire full value avec ses pistes de miettes. C'est ça. C'est trop dur. It's too late. Si on enlève cette wilt, là, on s'en fout, en fait. Zoup, zoup. Gogo? Ouais, gogo. Oh, j'aurais bien mis 2 buffles, moi. Et 3 Viviennes. Rangers, fun fact, quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. J'avais un disque, et oui, il y avait des disques à l'époque, de la BO de Power Rangers. Tu parlerais des CD-ROM? En italien. Et du coup, quand j'étais petit, j'ai capté pas trop, mais plus j'ai grandi, plus je disais, je comprends pas trop. J'allais faire une imitation, mais vraiment loupée. Vraiment. Ouais, ouais. Je me doute. Ah, nickel. Ah, j'adore. Ah, j'aime beaucoup. Mieux. On va se virer une garde à cross. Ouais. Se virer. Ouais, c'était un CD trouvé sur un marché, certainement, par mes parents. J'avais dû dire, ah, c'est Power Rangers, j'adore. Et mes parents, ils ont dit, bon, bah, il aime bien, allez, on lui prend au gosse, quoi. Je vois des mecs au générique, genre je vois Mengucci qui chante Gogo Power Rangers avec la main comme ça. Ouais. Ta 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 ta. C'est ça. Fais-tu donc ce verre fin de tour, hein. Ne l'oublie pas. T'inquiète. Au pire, je vais le piocher, donc. Simba. Non, s'il te plaît, fais pas ça. Parce que si on se loupe d'un tour, c'est on prend le méchant loup. Hein. Oui. Oh, le méchant loup. Eh ouais, donc. À noter qu'on a la montagne, hein, donc on pourra pas la fetcher si besoin. Vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Je vois. Moi, je vois juste que là, on va l'éclater avec Winota. C'est tout ce que je vois, gros. Il fait pour un mana, je mets 2 marqueurs sur l'Oador, pour 2 Ramthrou sur Cobra. Oh, Ramthrou. Oh. Il est bien, il a encore un mammouth chiant. Oui, lui, quand même. Hein. Excusez-moi du peu. Non, mais t'es... Attends, joue rien pour l'instant. On prend pas loup le tour d'après. Est-ce qu'on fait pas Cobra, je garde la carte en main, on proc 2 fois. Non, c'est nul. Non, vas-y, gardez le land. Non, vas-y. Oh, je win autant, on s'en fout là. Oh, je fais du bleu. Et Arcane Rite là. Oh, le temps de batterie, parfait. Sur le Cobra. Sur le... Oh, c'est fantastique. La petite hésitation là, il se dit, ouais, il va peut-être faire de la merde là, le gars à la souris. Le combat. C'est très différent. Tu vois ce que c'est quand c'est pas toi qui as la souris, quoi. T'as peur que le mec misclick ou quoi. Oh, le repop. Là. Ah, là, il est dans les clous là. Là, j'ai envie d'être le mec désagréable qui tend la main pour dire bien joué, tu vois. Ouais, allez, on passe à la prochaine. Ne faites pas ça, hein, franchement, jamais. Ouais, c'est désagréable. Moi, il se bat quand même. Quand on fait ça, je tendais la main pour serrer la main et je faisais un hippon. Voilà. Juste, je le prends, les deux épaules touchent par terre, chaos technique.
Bon, par contre, s'agirait d'arrêter de me les péter là, Mat 44-13. Je vais lui piquer une noix d'ordre. Non, je pense pas. Je pense que tu fais juste attaque et on voit ce qui se passe. Tu fais juste attaque. Attaque. Oh bah, Kenry. Salut. Ah, moi, je prends tout. Hein. Y a pas de. Ah, il prend tout. Et si jamais il veut bloquer, tu donnes bien le piétinement. Hein. Genre, ah, ouais, t'emmerdes ouais. Pas. Je mets un marqueur ou pas? Non, je vais plutôt mettre un non, cobra non, là. Non, tu peux jouer cobra, je pense. Cobra et l'on tape. Cobra. Ouais. Yep. Ouais, je peux rien faire. Ouais. Voilà, et on lui ah, a si. Bien défoncé. On lui a bien mis mal, tu vois. Ah oui, fais un petit marqueur là. Sur Winota. Ah non, pas sur Winota, parce que. Si, sur attends. Winota, comme ça, ça créera un proc. On le défonce. Fais ce que tu veux, on ça peut plus perdre cette proc? Guerre. Ça créera un proc vu que t'as un lieutenant de batterie. Si ah oui, jamais si, il mange, là tu vois. Ah ouais. J'allais dire, mais non, ça fait juste un marqueur, voilà. Il est tellement sous l'eau, mais vraiment tellement sous l'eau qu'il est dans la fosse des Mariannes. On les envoie plus dans l'ISS, on les envoie au centre de la Terre, les oppos. Tu dirais qu'il est tellement sous l'eau qu'il est saoulé? Je pense qu'il est saoulé. Avec ces oies d'or là, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais de la value? On s'en fout. Oh, mais c'est nul ça! Ah, c'est nul à Yesh. Ouais, c'est sache-le. Nul! Oh, tu peux pas payer sur ta piste de miettes, Mat 44-13. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est la On va définition lui de faire bien chefique. Et on va le bourrer, et je trouve ça fantastique. Bourré comme jamais. Bourré comme jamais. On peut attaquer avec. Non, on pourra pas. Oh, là, c'est la concession. Ah, oh, il ne laisse pas bien faire. Joué. Oh là là. Rappelle-toi. Attention, combien on remonte? 185, Val. C'est pas Meilleur jeu. Formidable. C'est le meilleur deck. On va se quitter sur cet écran de victoire parce que ça me régale. Ah, moi aussi. C'est le meilleur deck, voilà, crafté en masse, en plus il est budget, jouez ça à fond, le deck est ultra stable. Regardez 100% de victoire sur un échantillon d'une game. Juste dingue. Attention. Attention quand même. Si vous avez Grull et pas de wildcard, restez sur Grull. Si vous n'êtes pas professionnel, ça peut mal se passer pour vous. Voilà, on vous montre ce que vous pouvez en faire, vous faites ce que vous voulez de l'information. Merci à tous de nous avoir suivis. Petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Merci Val pour les insights sur cette deck tech incroyable. Le sideboard guide, du coup, dans la vidéo qui sort demain, si je ne dis pas de bêtises. Yes. Donc voilà, pour ceux qui veulent un peu plus creuser le deck, eh ben, il y aura toutes les infos. N'hésitez pas à aller voir ce qu'en fait Val aussi, puisqu'il va sûrement continuer à jouer le deck et peut-être modifier encore la decklist, etc. en fonction du méta. Ou peut-être qu'il va juste arrêter, parce qu'il y a une nouvelle dinguerie qui arrive vendredi. Ça aussi, on ne sait pas. On ne sait pas. Merci beaucoup à tous. La chaîne Twitch dans la description avec nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.